Bonjour. Bonjour et bienvenue au nouveau. Ceux qui sont nouveaux sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Ok. Je suis en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis en Côte d'Ivoire, ma chérie. Je suis à Abidjan. Bonjour, lumière. Je suis à Abidjan. Chili Coco, tu viens de perdre de ton lavage et c'est là que je vais faire comment? Écris sur le numéro WhatsApp. Vos plaintes ne peuvent pas, je ne peux pas dans le direct voir vous, je ne peux pas, il faut que vous écrivez pour envoyer vos messages. Ceux qui disent qu'ils veulent me prendre en inbox, vous avez les numéros sur la page. Prenez un des numéros, vous écrivez. Ceux qui disent qu'ils veulent forcément me voir, il y a des gens en France, aux États-Unis, en Italie, qui ne m'ont jamais vu. Et que leurs choses, ils ont pris leur kit, ils ont fait leur travail, santé de marché. Ils ont fait le lavage à distance. Donc arrêtez de dire que vous m'attendez toujours. Vous pouvez m'attendre, je ne viens jamais de votre côté. Voilà. Bonjour Mamadou. Ah ça, tu dis que tu aimes ma force. Et ça va quoi, tu veux pouvoir. Voilà. Je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous, certains vous venez de tomber sur moi, ok? D'autres, ça fait un bout que vous me regardez. Et c'est maintenant que vous vous êtes décidé à essayer ce dont je parle. Je dis chaque jour, lavez-vous avec le sel. Voilà, c'est ce matin que tu as commencé à te laver avec le sel. Voilà. D'autres, vous avez commencé, vous avez laissé. Parce que vous pensiez que vous allez commencer le premier jour, ça va se passer. Écoutez, vous avez, quand tu commences ton travail spirituel, tu rentres dans une bataille. Tu pars pour déraciner des choses qui sont en train de t'empêcher d'avoir l'argent. Des choses. Bonjour petit oiseau. Ah, les oiseaux, c'est là, vous m'aimez. Hein? Oui. Oui, oui. 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 Oui, oui. Petit oiseau. Ah, le petit oiseau. Vous le voyez. Il est en train de parler avec ses soeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de signes que vous ignorez. Observez beaucoup les animaux qui viennent à votre fenêtre. Parfois tu peux faire ton lavage, tu fais une prière particulière. Tu vois les lézards dans la maison. Tu fais une prière, tu vois l'oiseau vient se déposer sur ton climatiseur.
L'autre dit que ça veut dire que c'est difficile d'ingurgiter mon affirmation. J'ai précisé pour ceux qui... Ça veut dire que ton travail marche. Tu comprends? Vous devez comprendre que... J'ai parlé de travail. J'ai pas parlé de quelqu'un que tu sais que depuis que tu es né, ta vie est bloquée. Non. J'ai bien dit que quand les choses commencent à empirer, ça veut dire que ton travail, c'est-à-dire le travail spirituel que tu viens, que tu as commencé. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes filles qui est au... Elle est au Gabon. Et elle est de nationalité... Je n'ai pas la nationalité, je sais pas. Peut-être qu'il y a les autres qui connaissent là, qui me regardent et qui la connaissent. Quand cette dame a commencé, elle dit que ça fait depuis janvier qu'elle a déposé ses papiers pour renouveler sa carte de séjour. On lui a pas répondu. Elle me trouve en ligne. Elle porte un enfant sur le dos, un enfant en main. Enfant de 4 ans, enfant de 18 mois. Elle vient me voir. Le premier jour, elle a d'abord pris deux selles. Elle n'avait pas l'argent. Elle a commencé à se laver avec les deux selles-là. Acheter d'autres choses en ligne. Au quartier. Mélanger comme le laurier. Elle n'avait pas l'argent pour acheter. Elle a acheté son propre laurier au marché. Mamie, si tu attends que la promotion du lavage, elle ne fait pas ton travail, tu as compris. Depuis au moins trois semaines, je n'ai pas fait de promotion et je fais ça exprès. Tu as compris. Ne fais pas ton travail, il faut laisser. Si tu attends la promotion, il faut laisser. Elle commence son lavage, elle fait. Après, un peu d'argent entre, elle vient prendre les bracelets. Un peu d'argent entre. Ah, je suis bénie. Un peu d'argent entre. Ok, Nina, tu dis que le colis que tu m'as envoyé, bloqué chez le transporteur depuis 2 mois, j'ai fait le lavage au sel de la guerre. Le lendemain, le transporteur t'appelle. Vous dites que c'est... J'ai une autre comme ça. On a envoyé un du Cameroun, on a envoyé un de la France. Elle vient en France. Les deux colis ne sont pas arrivés. Une en Consamba, on a envoyé son colis en juin. C'est en septembre qu'elle a reçu le colis. Elle m'avait déjà appelé, m'insulté jusqu'à que rembourse-moi. J'ai dit que ma chérie, on a posté ton colis. Quand elle a babadé, j'ai remboursé son argent. Elle reste 2 mois après. L'agence l'appelle. Que mamie, voici ton colis, viens chercher. Elle voit la date d'envoi, c'était juin. Jusqu'à elle m'appelle, elle dit que okay, j'ai reçu le colis, je vais t'envoyer l'argent. Elle dit que vous ne connaissez pas les blocages qu'il y a sur vous. Vous ne connaissez pas les sacs de blocage qu'il y a sur vous. Parfois, quand vous commencez à me regarder comme ça, dès que tu commences à écouter mes vidéos, les esprits-là commencent à dire, mince, il ne faut pas qu'elle écoute la femme-là. Tu écris ton message, n'arrive jamais. Je t'assure. Tu m'écris, je ne te réponds jamais. Ou bien tu écris, les secrétaires ne voient jamais. Tu commences à te fâcher, tu dis, ah, tu pars. Ne te dérange pas. Tu m'as encore fait même 6 ans avant de trouver quelqu'un qui va t'aider. Dans le travail spirituel, tu dois être patient. Et tu dois connaître là où se trouve ta libération. Parce que vous êtes plein d'orgueil. Je vous rencontre tous les jours en ligne. Il y a une qui a payé la consultation l'autre jour. Elle paye la consultation après 6 jours. Et quand elle paye, je lui dis que tu es en train de payer la consultation normale. Ça va durer. Chaque jour, elle appelle. Je lui dis que ma chérie, tu as payé la consultation normale. Ta consultation, c'est entre 7 à 20 jours que tu vas attendre. Ça, c'est si tu as mis la chance. 6 jours plus tard, elle part, elle dit qu'on lui rembourse son argent. Je ne sais pas comment elle a fait la transaction, on a remboursé. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup quand tu enlèves les décepticons derrière moi. Thank you. Tu vois pas, merci. Elle stresse quelqu'un. Parfois, vous faites comme si. Vous faites comme si c'est... Je ne sais pas ce que je peux dire. Vous ne me faites plus une faveur. Je dois vous dire ça. Vous ne me faites pas
une faveur quand vous venez vers moi. Ah, je l'aide. Je ne suis pas en route, je demande l'argent. Je ne suis pas en route avec l'assiette. Je dis que, pardon, donnez-moi l'argent. Non. Vous ne me faites pas une faveur. Vous êtes endormis avec vos démons qui viennent de vos mères. Les choses que les femmes de vos pères ont mis sur vous. Vous tombez sur mes vidéos, ça commence à vous ouvrir l'esprit. Et le pire, c'est qu'elle te dit, va regarder les vidéos. Tu ne regardes pas. Tu crois qu'elle te manque de respect. Lave-toi avec le sel avant qu'elle te consulte. Ah! Si tu ne peux pas te laver avec le sel, ce n'est pas quand tu vas payer l'argent. Parfois, vous venez, vous faites comme si votre argent là, j'en ai rien à foutre. Que non, comme je vais payer VIP là, ça veut dire que non, il y en a que tu payes si ton énergie n'est pas bonne, on ne se parle pas. Jusqu'à ce que tu partes, tu prends le sel, le petit sel là, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Et c'est comme ça que dès que vous avez un premier refus, je vois comment le démon en vous la sort. Vous commencez à envoyer les messages d'injures. Les messages d'injures. Hey, pardon, ne regardez plus mes vidéos. À bec, retournez dans votre blocage. Retournez dans votre blocage. Adrien, vous parlez comme ça, vous ne savez pas comment les gens envoient les messages méchants. Enfin, qu'est-ce que ça dit que mince? Tu fais les vidéos, il y en a parmi vous. Vous avez écouté il y a 50 de mes vidéos, vous n'avez jamais fait un don de 5000 francs. Alors que mes vidéos vous aident chaque jour. Tu n'as même pris ton téléphone, dit que non. La femme, ça m'a trop aidé. Il faut que je fasse même un don. Même à l'orphelinat. Ne me donne pas ton argent. Donne à l'orphelinat. Jamais. Jamais. Tu vas rester éternellement bloqué. Tu crois que quoi? Souvent, quelqu'un va venir parce qu'il t'a donné 30 000. Il va commencer à croire qu'il a, il se sent entitled. Il a le droit de te parler n'importe comment. Il dit que ouais, je dois vous dire, je dois vous parler. Donc, si vous pensez que vous allez quitter de l'ordinateur, de téléphone, et vous allez me contacter, cliquez sur contacter. Si c'est mes assistants, n'importe qui répond au téléphone, je vous en prie. Mettez la décence là-dedans. Parce que vos injures, je suis fatigué de ça. Une fois même, elle paye un truc en ligne. Elle avait envoyé 100 000 francs. Que quand je vais arriver au pays, je vais faire mon travail, je ne sais même pas trop quoi. Elle arrive au pays, elle est foirée. Elle me contacte, elle dit que rembourse-moi mon argent. J'ai dit, mais ma chérie, c'est vous les foirés de l'Europe là, vous êtes foirés là-bas, bing. Tu vois, je suis la banque. Je suis la banque que tu envoies ton argent, ça fait 2 mois dans mes poches. Après, tu m'as dit que je ne veux plus les produits. Je ne veux plus. Justine, ne te dérange pas, continue de dire que laisse-moi, je vais te bloquer. Moi, vous savez que je vous bloque. Je vous bloque. Parce que j'en vois de toutes les couleurs. Et je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages que les gens donnent. Les gens qui ne m'ont jamais parlé, ils ont vu mes vidéos. Chaque jour, ils écoutent au moins 3 vidéos que j'ai fait. J'ai au moins 500 vidéos en ligne. Depuis 2 ans, je fais des vidéos tous les jours. Écoute. Écoute, ça va ouvrir d'abord ton esprit. Ce que tu vas me mettre pour parler avec toi, on va rire, on va pas se dire. Tu ne vas pas me comprendre. Il y a des gens qui, je commence la consultation avec eux. 2 minutes, je dis que ma chérie, je vais te rembourser ton argent. Tu n'es pas prête. Même si elle t'explique ce qui te bloque, tu ne vas pas comprendre. Et comme vous aimez les charlatans, et je vous ai déjà dit, vous n'allez pas me montrer comment je vais faire ce que je fais. Quelqu'un va venir vers toi, donne-moi un produit que je vais utiliser, je vais commander l'homme, s'il a, il va faire tout ce que je veux. Ah. Elle ne veut pas se laver au sein. Elle ne veut pas apprendre, non, elle ne veut rien. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu donnes un produit qui va faire qu'elle donne à son mari et il devient son chien. Vous voilà. Vous voilà. Vous aimez la facilité. On te dit, enlève les malédictions générationnelles qui viennent de tes arrière-grands-parents, qui viennent de tels parents. L'esprit va te parler.
non, donne-moi un produit, je veux venir, tu te fais tous les mois, il fait le lavage et puis ça augmente mon argent une fois. Vous aimez la facilité. L'école de spiritualité commence le 14 novembre. Je devais commencer le 14 octobre, mais j'ai retardé ça de 4 semaines. Le numéro est sur la page. Si vous m'écoutez sur Facebook, le numéro est en haut. Et apprenez à chercher. Si tu peux venir sur la page, c'est là que tu cherches mon numéro en haut de la vidéo. Laisse tomber. Parce que j'ai paresseux. Et franchement, je suis fatigué des gens paresseux. Allez voir les béninois, ils vous donnent les potions magiques. Vous mettez pas, ça envoûte les gens. Allez les voir. Oui. J'ai reçu le témoignage d'une femme. Oh, Colo, Ngengang Emmanuel. Tu sais quel âge j'ai? Même pour m'épouser là, tu crois que c'est facile? Tu ne me connais pas, hein? Je suis le piment. Je suis le piment. En anglais, on appelle ça Scotch Bunny. Scotch Bunny. Une dame me fait signe l'autre jour. Je vais revenir sur le témoignage de la femme du Bénin là. Une dame me donne son témoignage. Je suis avec mon mari. On a dépassé 45 ans. Et depuis au moins 6 mois, il ne me touche pas. Je ne comprends pas. C'est un homme bien, il est beau. Il peut alors prendre ça où? Je suis d'ailleurs mon 6e mois de travail avec cette personne. Les lavages où? Les sacrifices qu'on a fait où? Donc, dans ces énièmes jeûnes, parce que la personne jeûne beaucoup, et dans ces déclarations, que tout de mon mari soit exposé. Il y a cela quelques semaines d'abord, elle fait un rêve. Et dans le rêve, elle voit une des secrétaires de son mari qui vient, elle montre son sein comme ça. Le monsieur est en train de sucer son sein. Elle me dit le rêve là. Tu vois, quand tu vois un rêve, c'est évident. C'est évident, non? C'est celui qui a quelqu'un. Tu veux déjà des rêves là. Il y a sûrement quelqu'un qui fréquente avec ton mari. Mais c'est difficile à croire ou à accepter. Parce que tu n'as pas de preuves. Parce que vous connaissez qu'il y a souvent des gens qui sont. Tu vois, quand quelqu'un est tellement holy, tu as même le halo sur sa tête ici là. Il est tellement saint que tu ne peux pas avoir de preuves. Et tu sais que quand c'est toi qui pars fouiller. Tu attrapes, tu viens, tu lui montres. Hein? Qui t'a envoyé d'abord dedans? Tu cherches quoi là-bas? Au lieu d'accepter la faute, la personne va se retourner contre toi. Hein? Que qui t'a envoyé? Tu faisais d'abord quoi là-bas? C'est mon téléphone du boulot, tu touches pourquoi? C'est comme ça que tu vas. Au lieu de dire que oh, je suis désolé ma chérie, je te trompe. Non. Tu cherches quoi dans mon téléphone? Est-ce que moi-même je touche ta part? Hein? Oh, hein? D'accord. N'est-ce pas, la personne ne faisait que prier, que Seigneur, s'il y a quelque chose, il faut exposer. Écoutez, le don, avec le donne-moi tout, ça marche. Les affaires, là, marchent. Ne pas voir l'anga qui reste un de ces matins. Elle juste bien avec son Joe. Il était en chemin pour rentrer à la maison. Oui, allô, allô le bébé. Oui, oui, ok. Je te garde quoi? Non, passe au supermarché, tu me gardes tes choses. Ok, ok.
Vos rêves ne vous trompent pas. Quand tu es spirituel, tu es connecté. Même dans le rêve, on va te montrer les intentions de quelqu'un sur toi. On va te montrer. Dans le rêve, on va te montrer ce que tu es censé faire. Quel métier tu es censé faire. Ils finissent la conversation, non? Elle raccroche, il raccroche. Il dépose le téléphone numéro 1. Il prend le téléphone numéro 2 de la Tisa. Il appelle la Tisa. En appelant la Tisa, son coude ou son cou, c'est n'importe quoi, quelle partie de son corps a appelé encore la titulaire. La titulaire décroche. Allô, allô, allô. Elle attend aussi, non? Elle entend la conversation dans la voiture. Il finit de parler avec son ami. Il dépose son ami. Après, il commence maintenant l'appel avec la Tisa. Elle a pris les popcorn, elle s'est assise. Ça a duré combien de temps? Plus de 30 minutes de conversation. Quelqu'un que tu vends quand tu veux parler, dit que oh, j'ai trop de boulot à faire, j'ai trop de boulot. Je, on se parle plus tard. Écoutez, les signes ne nous trompent pas. Allez, bois un peu d'eau. À écouter. Et dans la conversation, il y avait toutes les preuves. Les dates, depuis quand ça a commencé, là où la fille vit, ce que la fille fait. D'accord. Bien évidemment, elle a compris pourquoi il n'avait jamais le temps pour coucher avec elle, ou bien il n'était jamais. Il n'était jamais. Tu vois un peu, non? Après, quand il finit, en finissant, il tournait déjà, il était à quelques minutes de la maison. Il regarde le téléphone de la titulaire. Il voit que, oh oh, ça fait 30 et quelques minutes qu'elle est en ligne. Il se rend compte qu'elle a tout entendu. Et c'est le genre de voiture que quand tu es en ligne, tu mets le haut-parleur, on entend, tu vois, ça résonne dans les baffes de la voiture. Seigneur. Ok. Quand il a vu ça comme ça, il a dit à la Tisa que je te rappelle. Il raccroche, crac. Il dit directement, chérie, tu es où? Aïe. Elle dit que je suis là. Il raccroche le téléphone. Il arrive à la maison. Il la voit. Et c'est quelqu'un que quand elle faisait ses prières, elle me disait toujours que je prends mon donne-moi tout, je fais mes jeûnes. Et quand je fais le jeûne, je parle, je dis que voilà, s'il y a n'importe quelle personne qui rentre dans cette relation, s'il y a une troisième personne, que cette personne soit exposée. Quand je disais comme ça, je disais que oh, tu exagères, tu vois qu'il y a qui? C'est ce que le monsieur disait. Quand la personne a été exposée comme ça, là, bonjour monsieur Chuang. Quand il a été exposé comme ça, là, il est rentré. Et je pense que j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais comment se comporter quand son mari, quand tu découvres que ton mari te trompe, les attaques spirituelles sur les maris en fait. Et ce qui était même encore un peu amusant, c'est que il y avait des sous qu'elle demandait à son mari, il refusait de donner parce qu'il disait qu'il n'y a pas l'argent. Et dans la conversation avec la Tisa, il avait promis lui donner une forte somme d'argent. Je ne veux pas donner les chiffres, juste pour que si un jour le monsieur tombe sur la vidéo, c'est là qu'il ne dise pas que hé hé.
Donc, la titulaire qui a demandé l'argent, elle doit prouver ce qu'elle doit faire avec l'argent, même les reçus de caisse. L'autre, la Tisa, elle disait savoir que bon, que le bébé, je t'ai envoyé mes photos, non, tu as vu, ok. On se voit alors quand tu sais que je t'ai dit que je veux l'argent pour aller faire. Il dit ok, je vais te donner. Ne te dérange pas, c'est ce qu'il promettait dans la conversation. Hein. Voilà. Je suis en train de vous expliquer tout ça parce que ça c'est quelqu'un que je sais que l'idéal serait été qu'elle dise voilà, donne-moi un remède pour que je fasse que mon mari ne parte plus dehors, que son fils ne se lève pour une autre femme, je ne sais pas trop quoi. Mais n'oublie pas que quand tu fais toutes ces choses-là, même celle aussi de dehors fait sa part. Vous avez suivi. Et elle vient même prendre l'argent de ton mari pour aller travailler sur ton mari. Where you are. Parce que quand tu construis quelque chose avec quelqu'un à la maison, il y a une certaine rigueur que tu mets. Voilà chérie, tu sais qu'on veut construire la maison, on va acheter le terrain, ne dépense pas trop. Dehors, on va se dire, oh bébé, on va un peu toucher ses cheveux comme ça là. Dès qu'on va un peu le caresser, genre on va faire miaou, il va seulement... il va seulement libérer l'argent. Et ça fait que je reviens à ce que je dis toujours, que vous devez, c'est très impératif que tu aies ta source de revenus, si ce n'est tes sources de revenus. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà accepté, genre, ok, c'est la énième fille. Parce que, et tu n'as même pas le mot à dire, tu vois, tu acceptes, tu espères qu'il va arrêter, comme il t'a dit qu'il va arrêter. Parce que tu sais que c'est lui qui te donne l'argent, c'est lui qui fait tout. Du coup, tu n'as pas ton mot à dire. Tu es dans la relation, tu es trahi, tout ça. Et je dis dans la trahison, hein, quand quelqu'un te trahit, le plus pire, c'est de savoir que chaque jour, il était ici à la maison avec moi. On dort sur le même lit. Il rentre, il me dit, voilà. En fait, c'est de savoir que la personne peut te regarder dans les yeux, te mentir. Chaque jour. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok. Ton travail spirituel va prendre du temps. Parce qu'il y a des choses que tu vas couper. Peut-être ta mère a vécu dans un foyer, elle était malheureuse. Ta mère a supporté le mariage. Au nom de ses enfants. Ta mère... Elle a peut-être 70 ans aujourd'hui. Mais tu sais que ta mère n'a pas vécu. Elle n'avait pas de pouvoir de parole parce qu'elle ne travaillait pas, elle ne faisait rien. Et tu ne savais pas, tu ne pensais pas que tu ne pouvais pas te retrouver dans ça. Mais tu es en train de progressivement te retrouver dans cette situation où tu as le dos au mur. Et sachez que tout part de vos pensées. Si tu penses que tu mérites ton malheur, tu vas accepter. Mais maintenant, si tu penses qu'il y a un moyen, il y a un moyen de s'échapper de tout ça, là. Il y a un moyen que je sorte de ce trou. Je dis encore, tu vas venir pour écraser ou effacer des années de malédiction, des années de blocage, des années de paresse, des années de, je sais pas quoi, de manque de confiance en soi. Donc, si je reviens à ce que je dis par rapport à quand ton travail va mal, quand ça va mal avec ton travail en train de marcher, supposons que tu m'écoutes, et les premiers, généralement les premières semaines quand tu commences le travail spirituel avec moi, tu commences à voir les premiers signes. Waouh, j'ai eu ça, j'ai la promotion. Waouh, mon mari, même encore jusqu'à. Ouais. Ça, c'est la surface. Quand tu vas commencer à toucher les bonnes choses là, dans les 3-4 mois après là, 5 mois, tu vas commencer à arriver dans le fond des choses, les fondations. Tu auras l'impression que tout ce que tu as eu pendant les 3 derniers mois là, c'est ça a disparu. Tu vas même croire que tu ne connais même plus prier. Tu vas laisser ça, tu vas croire que même te laver, tu vas dire que je
comment ça se fait que je connaissais même la recette, non? Comment j'ai oublié les prières? J'ai oublié tout. Ou bien tu te lèves un matin comme ça, là, tu sens un esprit de dépression sur ta tête. Tu sens comme tu n'as envie de rien faire. Tu sens comme tu es... Même mes vidéos, quand tu vois les notifications de mes vidéos, là, dès que tu vois mon visage comme ça, là, tu dis... Non, il ne veut pas l'écouter. Donc, je reviens à celle du Gabon. J'ai commencé à parler dès le début de cette vidéo. Cette jeune femme, elle m'a vu pour la première fois en juin, quand je venais d'arriver au Gabon. Elle a commencé à se laver avec le sel. Au début, elle n'avait même pas 10 000 pour acheter 3 sels. Elle a commencé à faire un truc, deux trucs, acheter son bracelet. Après, elle a eu un peu d'argent, elle a payé sa consultation. Après, elle a eu un peu d'argent, elle a payé telle chose. Ma chérie, tu vois qu'il te trompe en rêve, tu peux lui dire pourquoi. Tu vois qu'il va accepter. Ma chérie, tu peux voir quelqu'un, tu peux trouver l'homme au-dessus de la femme. Tu comprends? La femme est trop véridique pour rien. Tu peux trouver l'homme sur la femme. Il n'est pas en train de faire le bouche à bouche pour la réanimer. Non. Son outil sexuel est dans l'outil sexuel de la femme. Il se lève, il te dit que ce n'était pas lui. Je crois qu'on connaît déjà tout ça. Il n'y a que l'intuition. La femme n'a que son intuition. Maintenant, il faut commencer à devenir sage. Anticipe les choses en avance. Dans 90% des cas, je n'ai pas encore vu une femme qu'elle a vraiment... Tu pries, tu demandes, tu fais tes jeûnes, tu demandes une super situation, Dieu te montre. Je n'ai pas encore vu que ce que Dieu a montré là, c'était faux. Mais seulement, parfois, on veut se voiler la face. Parfois, tu sais, tu as les preuves, mais tu ne veux pas. Tu vois qu'il y a trop de... Ça va faire trop de boue, de bruit. Il faut encore que tu recommences. Tu vois encore tout ce qu'il faut faire. Tu auras honte devant les gens. Ah, tu seras encore seul. On va dire, voilà, elle est célibataire. Après, tu vas élever les enfants seuls. Non. Tu dis que non, non. Mais t'as pas, il me trompe. Trompe-moi, ça va. Mange-moi. Et je sais que vous ne... Malheureusement, il y a pourquoi l'histoire de la femme, quand elle veut tout raconter l'histoire de la femme, je change toujours de sujet. J'aimerais que vous vous fassiez confiance. C'est difficile pour une femme d'accomplir le meilleur qu'il y a en elle. Quand elle est dans un foyer où... J'ai regardé un film, ça fait 3 jours. Au début du film, si vous regardez le truc, le titre c'est « Si j'avais su », ceux qui ont Netflix. Si j'avais su. Donc la femme là, elle est malheureuse dans son foyer. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Elle veut divorcer. Elle se lève un matin, elle dit que je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas heureuse. Je veux te quitter. Et après, il y a une lune de sang. Et puis, ça la transporte dans le temps, 10 ans en avant, en arrière. Et puis, elle décide de ne pas épouser l'homme. Finalement, elle a une vie différente. Après, le film la renvoie encore dans le présent. Là, elle se réveille. Et elle découvre qu'elle était malheureuse dans le foyer. Elle sentait quelque chose, mais elle ne pouvait pas mettre la main dessus. En fait, pendant 10 ans, l'homme avec lequel elle était mariée l'a trompé avec sa meilleure amie. Quand elle a découvert ça dans la réalité, quand elle a découvert qu'en fait, je ne me sentais pas heureuse dans ce foyer, je voulais divorcer depuis, je n'arrivais pas à mettre la main sur ce qui était là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et son mari l'a traité pour une folle. Mais regardez, elle veut divorcer, je ne comprends pas. Elle veut divorcer, je ne comprends pas pourquoi elle veut divorcer. Quand elle a découvert, elle est arrivée chez sa meilleure amie, elle cherchait un habit dans l'armoire. Et c'est là que les photos sont tombées, c'était caché dans son armoire de sa meilleure amie. Elle a vu comment au fil des années, ils se voyaient, ils prenaient des photos ensemble et tout ça là, comme ils s'embrassaient. Elle a fait un infarctus, je ne sais pas trop quoi, elle est tombée dans le coma. Son intuition lui disait que sort de ce mariage. Son intuition. Elle n'avait pas de preuves. Et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte
à avouer que voilà, j'étais avec telle personne, il était avec moi peut-être pour mon argent, il était avec moi peut-être pour, il cherchait quelque chose derrière moi. Parce qu'il faut avouer que les femmes indépendantes ont un grand souci avec les hommes. Quand l'homme vient vers toi, il y a de fortes chances que cet homme entre venir vers toi parce qu'il a vu qu'il est stable. Tu as les papiers. Tu travailles. Il y en a parmi vous, venez, tu sais qu'il vient comme ça, là, il veut, dès qu'il aura ses papiers, il va partir. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dès qu'on lui donne sa carte de séjour, il sait qu'il n'a plus besoin de toi. Il disparaît. Il disparaît. Une autre que j'ai consultée ici avant-hier, sa première fille a 19 ans. Le père de cet homme, elle a trois enfants avec cet homme. Il y a cela quelques années, 3-4 ans, le monsieur dit qu'il veut partir en Beng. Elle a pris 3 millions dans ses économies. C'est-à-dire, elle s'est ruinée. A donné au monsieur, il a fait ses papiers, il est parti. Il arrive là-bas, il trouve un peu de situation. Il revient ici, il se marie. Il ne la calcule même pas. Donc, c'est la famille du monsieur qui a informé la femme que ton mari est en train de se marier. Parce qu'il ne l'avait pas épousée, elle. Bon, vous avez un enfant, vous avez fait 19 ans ensemble. Et depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais envoyé 5 francs à cette femme qui est ici en Afrique. 5 francs, il n'a jamais envoyé. Je lui ai dit que ma chérie, je sais que tu es venue vers moi parce que tu veux que je ne ferai pas. Hein, je ne ferai pas. Ouais, je veux la formule magique pour qu'il revienne vers moi. Non, 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 non. Non, ma chérie. Parfois, Dieu te fait une faveur. Parfois, Dieu te fait une faveur. Il fait l'homme là pas avec notre femme. Chaque mois, il te prie de te coûter même 600 000 ou 1 million. Je sais qu'il y a des femmes comme ça. Mesdames, apprenez que j'ai un lit chez moi. Le lit là est grand. 5 personnes peuvent se coucher dans le lit là. J'aime ouvrir mes mains comme Jésus sur la croix quand il dort. C'est quoi? Naweti. Vous avez vu quelqu'un est mort de solitude parce qu'il a dormi seul dans son lit. Ce n'est même pas la méchanceté. De la même façon qu'il y a des femmes que quand tu vois un homme qui est riche, pour toi, tu vas l'aimer. Donc, même s'il est vieux et laid n'importe comment, il va devenir beau. Il y a aussi des hommes que quand ils voient la femme, parfois vous avez le même âge, mais il sait que la femme, s'il se bat, c'est une battante. Si je me mets avec elle, je sais que si j'ai n'importe quel problème, elle va m'aider. Tu le rencontres en Europe, peut-être, vous avez le même âge. Mais il voit, tu es française. Tu as là deux enfants, il vient, il augmente, ça passe ou ça. Élever son enfant seul n'a jamais tué quelqu'un. Parce que vous avez vos batailles mentales dans votre tête là. Ah, c'est le père de mes enfants, je vais faire. Hey, oh, yeah. Wow, oh, 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 oh. Et oh, oh. Oh, oh, oh. Même la couche de l'enfant, il n'a jamais acheté. Il ne travaille pas, non. Ah, depuis 10 ans, mamie. Pardon, ne faites pas que vous insulte. Parfois, vous avez les fausses prières que vous priez. Vous avez les qualités de prière que vous priez. Que je suis sûr que quand Dieu entend ça, il dit, Jocelyne, regarde-moi ta fille là. Jocelyne, regarde là. Seigneur, il faut que mon mari revienne. Ma chérie, ça fait 6 mois qu'il est parti avec notre femme. C'est elle qui paye mieux maintenant. Elle paye bien, oui. La dame donne bien l'argent maintenant. Il t'a banqué. Vous avez déjà vu une fille que, comme elle est restée 6 mois sans faire l'amour, là, elle est morte. Hein? Quelqu'un s'est moqué de toi en route. Elle n'a pas fait l'amour depuis un an. Tu as vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Tu n'as pas encore vu, non? Voilà. Arrêtez vos choses là. Et parfois, tu sors avec un homme où vous êtes ensemble, vous êtes mariés. Il ne pense pas au futur des enfants. Alors que si tu étais seul à la maison avec les enfants, tu allais assurer un meilleur avenir pour ces enfants.
Une femme qui a fait longtemps sans faire l'amour, mon frère, elle est faux conseil. Son énergie en elle. Toute son énergie. Qu'elle se met que je vais faire que telle chose. Elle part, elle fait tap, 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 tap. Parce qu'on a mis quelque chose dans votre tête. Marie-toi. Parfois, on te dit, maman, marie-toi, marie-toi. Tu dis, viens me marier, viens me marier. Viens me marier. Dès que tu touches l'intérieur du mariage, là, c'est comme mince. Tu dis, ok, c'est ça et cela. Tu es avec quelqu'un, il ne connaît pas comment on paye une facture dans la maison, mon frère. Il ne connaît pas. Tu vis avec quelqu'un 6 mois. Il ne connaît pas par où on paye l'eau, par où on paye les taxes. Jesus. Non. 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 Non, arrêtez, arrêtez les femmes, c'est arrêtez, arrêtez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sortent l'argent pour s'occuper de leur famille? Et observe bien ce que cet homme-là fait quand il a l'argent. Regarde ce que, là où son argent part. Ah, de toutes les façons, elle va payer le loyer, non. Elle va payer la nourriture des enfants, non. Elle va payer la pension, non. Elle va, non. Observe ce qu'il fait avec son argent. Tu as tous les signes devant toi. Toi-même, tu refuses de voir. Tu as tous les signes. Tu refuses de voir. Pourquoi? Souviens, il arrive dans ta vie comme ça. Il voit comment tu es béni. La jalousie commence. Il fait tout pour te mettre au carreau. Il fait tout pour te mettre au carreau. Oui. C'est la femme qui avait su accepter. Certains sont partis en Bénin, ils vous ont laissé au pays. Même t'as envoyé l'argent une fois, il t'a jamais envoyé. Tu es là. Je veux le rallonge. Pardon, tu peux mettre sur la table. Vous devez arrêter, si c'est l'idiotie, arrêtez d'être idiote. Si c'est la bêtise, arrêtez d'être bête. Et c'était parmi vous, vous avez plus d'argent que ces gens-là. Moi, il y a cela 10 ans, j'avais telle puissance financière. Il y a cela 10 ans, je pouvais faire telle chose. Tu crois que la femme là est où? C'est toujours toi, hein? Mmh.
Quand vous allez relancer votre travail spirituel, comme je vous ai dit là, il y aura des moments où Dieu va enlever beaucoup de choses autour de toi. Dieu va parfois t'épurer même. Et beaucoup de tes choses ne vont pas marcher. Parfois, c'est parce que tu as mélangé ton mindset ou tes idées avec la personne que tu ne devais pas. Peut-être que tu as une nouvelle amie, tu as un nouveau gars qui ne voit pas les choses comme toi. Et vous êtes vous dit, vous passez à écouter mes vidéos. Cette personne n'écoute pas mes vidéos. Ne crois pas que tu vas venir ici prendre la motivation. Tu vas, oui, je veux, je peux. Tu vas partir dire à la personne va dire, ah oui. Non, tous ces doutes vont remonter. Pourquoi tu veux même créer ça? Pourquoi tu veux vendre les produits? Pourquoi tu veux même prendre ton propre magasin? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Pourquoi tu veux même... La dîme, c'est même quoi? Pourquoi tu veux payer ta dîme? Ne paye pas la dîme. J'ai une dame qui me suivait, avec laquelle je travaillais. Et quand elle travaillait avec moi, ouais, je ne veux pas avaler les olives. Quand elle travaillait avec moi, ces choses marchaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'argent qui entrait. À un moment, elle a commencé à sortir avec un Joe là. Elle a commencé à lui dire que les affaires de dîmes là, c'est même quoi. Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu payes ça? Pourquoi? Elle a coupé tout. Elle s'est déconnectée de ce que je fais. Si j'ai pas de souci. 4 ou 5 mois plus tard, elle avait tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Je lui ai dit, faites très attention aux personnes qui entrent dans votre tête. Parce que le tout, ce n'est pas seulement la relation sexuelle physique, mais c'est le mind. Dès que tu commences à partager tes projets avec la personne, que je veux faire ça, je voulais, je compte. Ah, tu dépenses 34 000 pour faire le lavage? Le lavage, c'est quoi? Hein? Tu dis, c'est même vrai, non? C'est même vrai. La reine Jocelyne, là, elle est, pardon. Fais très attention. Je dis encore, je ne suis pas la seule personne qui peut vous aider ici dehors. Mais sache très bien que ce que tu dis que tu veux faire là, mets ta tête sur quelque chose, tu pars, tu fais. Tu crois que c'est tout ce qui fait qui te dit? Combien de projets tu as découvert qu'il a fait là-bas, il ne te dit pas? Non, tu sais, je voulais te dire, chérie, je voulais te demander. Va toujours ouvrir ta bouche, tu parles. Va ouvrir ta bouche, tu parles, tu as compris? Bête là. Il y en a qui sont jaloux de vous. Quand ils te rencontrent comme ça, là, ils sentent ton énergie, ils sentent ta puissance. Il y a l'autre alors qui m'avait dit que je suis moi l'homme de la maison. J'ai dit que quoi? Tu es quoi? Tu es l'homme? Tu es quoi? L'homme de la maison, ce n'est pas avec la bouche. Jamais. Ne vous méprenez pas. Parce que vous faites vous leur donner les grades pour rien. Il s'est passé quand tu pars à la banque, tu dis voilà mon mari, on sort 1 million dedans. Chaque jour, tu dis voilà mon mari, on sort 1 million. Oh madame, c'est votre mari, prenez 1 million. On vous appelle le lavage de cerveau. Te voilà. Il y en a qui n'ont pas encore découvert leur mission de vie. Ça ne les intéresse même pas. Les affaires de mission de vie ne les intéressent même pas du tout.
voilà, tu cherches ta part, tu commences à découvrir. Dans les rêves, on te montre, on te prend la direction que fais ça, fais ça. Donc voilà, encore, tu ne peux pas lui demander. Tu veux ce que si tu es dans quel pays? Moi, je suis à Abidjan. Je rentre d'Abidjan incessamment. Il a fait 4 jours ici, là, ou 5 jours. 4 jours. Donc, j'ai fait 5 jours à Abidjan. Et ne m'attendez pas sur dans votre pays pour me voir où? Pardon. Les Français savent qu'ils ne m'ont jamais vu là-bas. Mais je consulte les Français chaque jour. La solitude n'a jamais tué une femme. Hein. Donc on entre chez toi comme ça, on voit que tu vis seul. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'homme. Ça ne tue pas. Il n'y a pas un démon qui vient la nuit et dit que oh, elle n'a pas d'homme. Tu, il te tue. Non. Les Africains ont encore, il y a encore tout dans la tête là qui ne va pas. Tu n'as même pas la bonne argent. Concentre-toi sur ce que tu as fait. On a écrit le numéro d'Abidjan là, je vais lui donner ça aux gens ici. Je vous donne le numéro d'Abidjan. Pour Libreville, je vais vous donner. Tu as une personne qui t'a fui en disant que c'est que tu avais un truc qui ne comprend pas, genre énergie. Elle. Faites vos lavages, vous allez voir comment Dieu va vous sortir des choses. Voici le numéro d'Abidjan. C'est le 05. 0501 49 0595. Voilà le numéro d'Abidjan. 0501 49 0595. Il me faut une bonne banane malaxée. Qui a fait la banane malaxée aujourd'hui? Je viens manger chez toi. 0501 49 05 95. Le numéro de Libreville. 0741 80 080. Libreville 0741 80 080. Maintenant, peu importe votre pays, voici le numéro que vous pouvez contacter. Peu importe votre pays. 00237 680 71 0701. Donc 680 71 0701. Peu importe le pays où vous êtes. Ok, Mimi Claude, tu as fait le topsi banane. Je mange ça qu'avec le munga. Hein. Pas avec la viande, le munga. Donc, je vais revenir sur l'histoire de cette dame. Donc, ça faisait 6 mois qu'elle avait déposé sa demande de carte de séjour au Gabon. Parce que quand tu es dans un autre pays, tu es originaire d'un autre pays, tu arrives au Gabon. Après 2 ans, il faut que tu fasses ta carte de séjour. Chez là, j'ai compris, je vais venir manger. Donc elle est arrivée, elle avait déposé, elle attendait depuis. Elle a commencé tous ses lavages, elle a acheté ses choses petit à petit. En septembre, elle a eu un peu d'argent. Bonjour la reine Edwige, comment tu vas? La sorcière Edwige Smith. Comment ma collègue sorcière? Donc elle a fait même l'offrande à l'eau en septembre. Elle a fait on a une formation spirituelle qu'on a fait au mois de septembre. Elle a fait aussi ça. Fin septembre, non, début octobre, elle va. Je crois que c'est là-bas en septembre qu'elle est partie. Septembre, elle est partie à l'office des étrangers. Elle demande sa carte. On regarde dans la machine. On ne voit pas. On lui dit que ta carte est perdue dans le système. On ne trouve pas ton application, rien. Donc il faut que tu rentres, tu relances une nouvelle application qui peut prendre encore 6 mois. Parce que c'était avant l'offrande à l'eau. Dès qu'on lui dit ça, elle vient, elle fait l'offrande à l'eau.
Quelques jours plus tard, après l'offrande à l'eau, elle a encore une idée que repas encore. Elle arrive là-bas et cette fois-ci, elle avait déjà constitué le dossier pour venir déposer. En partant pour déposer le dossier, on lui dit qu'on voit le, on voit sa carte dans le système. Elle dit, Seigneur, merci. Dès qu'on voit sa carte comme ça, elle croit qu'elle va faire le... Attendez, c'est bon, c'est bon ça. Elle croyait qu'on devait seulement imprimer une fois, non. Tout le système, ceux qui sont au Gabon, je crois que depuis tout le mois d'octobre, c'est là, les machines ne marchaient pas au Gabon. Au CEDOC. Donc, tout le système crash le lendemain. On lui dit qu'il faut qu'elle attende avant d'imprimer, avant qu'on imprime. Elle a attendu 3 semaines. Donc, récemment, elle perd son père. Il faut absolument qu'elle se déplace pour aller dans son pays. Elle repart, elle dit que je dois voyager absolument. Ma carte est où? On regarde encore le système, on dit qu'on ne voit plus sa carte. Elle dit, mais ça fait 3 semaines que vous m'avez dit que vous allez trouver ma carte qui va être imprimée, non? On dit, madame, on est désolé. En sortant de là, elle m'écrit, elle dit que maman, je suis désemparée, je ne sais même plus, je suis fatiguée d'avoir fait des cartes ici. Dans le couloir, elle tombe sur un monsieur qui lui dit, maman, peut-être je peux t'aider. Le lendemain, le monsieur connaissait quelqu'un à l'intérieur, je ne sais pas comment. Elle a récupéré sa carte. Parfois, vous croyez que vos choses disparaissent comme ça là. Hein? Et le jour où on a dit qu'on ne trouvait pas sa carte, qu'elle a rencontré le monsieur, en rentrant dans le taxi, elle avait son bâton de commandement dans son sac. Elle dit qu'on a voulu l'agresser dans le taxi, avec 2 enfants. Elle met toujours un de ses enfants là sur son dos. Donc elle en a le taxi, elle retient l'enfant, elle le met devant, mais sur elle. Elle tient l'autre à côté d'elle. Hop! Arrivé un moment, elle dit que là où elle voulait sortir, parce qu'elle s'est assise, elle a brûlé son sac à côté d'elle. Il y avait 50 000 dans sa poche. J'ai changé mon nom sur Facebook. Et toi, filante, tu as changé ton nom. Il y avait tes Decepticons sur Facebook. Tu es devenu sage, c'est bien. Apoum, apoum, apoum. Intelligence, ça entre derrière dans toi. Elle dit donc qu'ils avaient tiré son téléphone de son sac. Quand ils essaient d'ouvrir la portière, c'est là qu'ils ont mis la main dans le sac, tirer le téléphone, tirer l'argent. Après, ça dit qu'un sentiment la frappe, elle se retourne. Elle dit, mon téléphone est où? Et d'abord, je vois que je n'avais pas ouvert la portière. Mon téléphone est où? Le monsieur dit que, voilà ça sur la chaise là-bas. C'est quoi? Après, elle a un sentiment qui la frappe, que ton argent est dans ton sac. Demande. Elle envoie la main dans le sac, elle ne trouve pas. Elle regarde le chauffeur. Elle commence à dire qu'au nom de mes ancêtres, vous devez me donner mon argent. Elle commence à parler. Que ce que l'esprit de mort, comme mon père moi là, ça va vous poursuivre dans la voiture ici. Elle dit qu'elle avait son bâton de commandement. Elle touche son bâton de commandement. Elle commence à parler. Ça a fait peur au monsieur là. Il y avait 2 costauds monsieur dans la voiture. Un à côté d'elle et le chauffeur. Le monsieur qui est à côté là dit, voilà ton argent sur la chaise là-bas. Elle prend son argent, pape, elle met dans sa poche. Elle sort directement. Dès qu'elle sort comme s'il la regarde, il dit que tu es. Il a donné le nom des tradis praticiens là. Elle a commencé à demander que tu es, est-ce que tu es ces gens-là? Elle s'est rendue partie. Ils ont démarré la voiture, ils sont partis. Donc elle se retrouvait, elle n'arrivait pas à récupérer sa carte. Et on avait prévu de voler encore son petit argent qui lui restait sur elle. L'ennemi a les plans pour vous. L'ennemi a les plans pour vous. Quand elle m'a fait le témoignage là, j'ai ri jusqu'à, elle dit que c'est bien ça. Ton bâton de commandement est tout dans ton sac, ça c'est bien. Toujours en train de faire, elle dit que toujours dans le sac. Il y a beaucoup de choses que vous devez intégrer. Et cette dame dont je parle là, elle paye aussi même sa dîme. Parfois, tu vas sentir là, tu crois que ah, mon téléphone est perdu. Tu vas te rappeler que non, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Non, on ne peut pas m'escroquer. Il ne peut pas prendre mon argent pour les papiers, mais 3 millions, il part avec. Quand j'ai reçu les 3 millions, là, j'ai payé la dîme des 3 millions. Non. Il ne peut pas m'escroquer, ça part comme ça. Ça commence à voir dans ta tête. Après, tu as ta copine à côté, tu as dit, ah, maman, il a escroqué 3 personnes. Et si tu vas prendre ton argent, tu dis, non, ma chérie, il ne peut pas prendre ma part.
je ne peux pas perdre. Parce que la Bible dit, tu n'auras pas de perte. Vous savez que quand vous allez commencer le travail spirituel, vous aurez les tests qui vont venir. Et ces tests sont là pour montrer que, pour que toi-même tu comprennes que tu as changé, tu n'es plus la même personne qu'avant. Avant de te tourner comme ça là, que chacun vient dans ta vie, il entre, il prend ton âge, il part. Il entre, il te bouscule comme ça, il part. Maintenant, tu as changé. Seigneur, montre-moi qui est le vrai visage de cet homme. Deux nuits d'affilée, tu vois, tu fais le rêve, tu vois comment il est en train de te voler, part. Comment il est en train de te... Voilà ta réponse. Alors qu'avant, il te fallait 3 ans de relation pour voir ça. Dieu te montre au départ. Voilà. À bon entendeur. C'est que vous n'aimez pas les choses comme ça. Vous aimez toujours qu'on vient vous dire la potion magique. Comment envoûter l'homme là pour que je sois toujours sa seule femme dans toute sa vie? Lui-même va aller chercher la potion pour t'envoûter, pour que tu donnes ton argent. Tu donnes ton argent là très vite. On va voir pour qui va marcher plus que l'autre. Consultation, vous avez les numéros sur la page. Pour les produits, prenez vos kits fondation, vous faites, kits déblocage, vous faites. Et les lavages aussi. Vous commandez le lavage. Je vous ai dit que je n'ai pas fait de promotion. Les promotions vont commencer à partir de mi-novembre. Et puis après, on aura les promotions de décembre. Voilà. Ok. Donc, vous passez une bonne journée. Passez une très bonne journée. Ok.